Yeah. Per chiedere asilo politico, una volta che si è completato, ci dovrebbe essere un piano, i propri confini non dovrebbero essere insultati. Persone, partiti che hanno fatto come proprio obiettivo proprio. Manuel Valls en France, Jean-Claude Juncker à Bruxelles, Christine Lagarde à Washington, tous s'affolent de la dislocation en cours de l'Union européenne. Il est vrai que de toutes parts, l'édifice européiste, tel qu'ils l'ont eux-mêmes si maladroitement dessiné, s'effondre. Mais je veux le faire savoir aux citoyens de toutes les nations d'Europe, ils n'ont rien à regretter de la fin de ce monde antique. Au contraire, ils ont tout à espérer du retour des nations et de leur liberté. Ecco, l'Italia, lo chiedo sia a Matteo Salvini che ovviamente a tutti gli altri leader. Et je pense que faire confiance à des pays comme l'Égypte, comme les Émirats arabes unis, c'est être capable de trouver une issue en Libye et retrouver une forme de stabilité, c'est-à-dire en réalité un État. Car s'il n'y a pas d'État dans ces pays, alors il y a la charia. Si un dirigeant européen était allé en visite en Iran, et s'il avait été, du fait de sa culture, extrêmement choqué, par exemple, par des burqas, hein, avec parfois des grillages, est-ce que les dirigeants iraniens auraient fait retirer cela à l'ensemble des femmes? Perché ci sembra abbastanza assurdo che due giorni dopo la giornata della memoria, il 27 gennaio, permettiamo che nella nostra città vengano a organizzare un congresso politici come la Le Pen o Salvini o gli altri movimenti per Putin che fanno della discriminazione razziale, del sessismo e dell'omofobia, diciamo, il loro cavallo di battaglia.